Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triangle Strategy. J'espère que vous allez bien. Nous allons dans cette vidéo continuer le combat, ou plutôt reprendre le combat, puisque dans le précédent nous avions commencé, mais je pense que vous étiez d'accord, de recommencer le combat vu l'engagement qu'il avait pris, la tournure des événements qui ne me plaisait guère. Nous allons donc placer nos nouvelles unités tout à droite. En tout cas, un maximum à droite, le peu qu'on peut mettre à gauche, et je ne ferai pas d'analyse politique dessus. Non, on passe à droite parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à droite, et donc du coup, on pourrait penser qu'il faut passer à gauche, mais à gauche, le terrain est plus escarpé, donc c'est plus difficile de passer, et en plus de ça, nous avons une embuscade qui nous attend ici, comme nous avions eu le plaisir de découvrir la dernière fois. Donc, c'est un nom, un grand nom, un bon gros nom, donc on va passer à droite. A priori, je ne pense pas qu'il y aura plus de monde ici que ça, et on peut un peu plus passer. Vous voyez, à gauche on peut passer ici, on peut passer un peu plus de ce côté là plus facilement. Ça reste pas génial, mais on peut passer là également. Ça reste pas génial, mais c'est le mieux qu'on puisse faire. On va commencer le combat et c'est parti. Alors, maintient l'équilibre du combat grâce à ces sortes de guérison. Ça, c'est Gila. Depuis le temps qu'on la joue, je crois qu'on sait ce qu'elle fait. Prise des deux sentinelles V2. Début du combat. Les portes du château sont fermées, attaquons par les zones rocheuses, c'est exactement ce à quoi je pensais. Ils ont du temps pour se préparer au combat, il est possible qu'ils aient mis en place des embuscades. Je le rappelle, nous sommes dans un monde où il n'y a plus Frédérica, et Frédérica elle tabassait quand même bien sympathiquement, à coup de magie très puissante, la plupart des ennemis, donc ça va nous poser problème de ne plus la voir. Les combats vont être difficiles, et en plus moralement évidemment, on a le moral dans les chaussettes. Parce que, Frédérica, quoi. On n'a plus de raison, en fait, de se battre. On n'a plus aucune raison de se battre. Frédérica n'est pas là. À quoi bon? À quoi bon? Nous avons perdu notre amour. C'est inacceptable, pour le coup. Roland, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. On a fait toutes les autres routes. Faut bien faire celle-là, elle existe. Elle existe, mais comme je le disais dans l'épisode précédent, Roland, je l'apprécie de moins en moins au fur et à mesure de l'histoire. J'apprécie beaucoup Roland au début de l'histoire. Je trouve intéressant la relation qu'a Roland et Serenor, un peu peut-être naïve de l'enjeu du royaume et compagnie, mais quand même tous deux pleins de bonne volonté, de gaieté et une vraie amitié, quoi. Et au fur et à mesure de l'histoire, avec les tragédies que certes Roland a vécues, avec la chute du royaume et donc la mort de son père, de son frère, la faillie mort de sa sœur, il change un peu de mentalité, il devient roi, mais il est perdu, il n'a jamais voulu être roi, lui déjà de base, il n'aimait déjà pas son statut de prince, alors roi imaginez. Mais je trouve ça dommage que ça se reporte sur l'amitié de Serenor et Roland. Ils perdent un peu de contact, quoi. Ils se perdent, j'ai l'impression. Et autant dans les routes, dans la route, en fait, dans la route que j'ai, la première route que j'ai faite avec Serenor, mais il va crever lui. Va falloir soigner là. Va falloir le soigner et bien. Il vaut mieux faire ça, je crois. Ça coûte moins cher. Hop. Peut-être passer par là avec lui, ce sera mieux. Enfin, prêt à partir. Autant, je vais reprendre. Autant la première route que j'ai faite, donc celle avec. C'est celle de Frédérica finalement. J'étais droit dans mes convictions. Dans le sens où j'étais en accord avec ce que les personnages faisaient dans la majeure partie des cas. C'était pas tout à fait 100%, mais dans la majeure partie des cas. Donc ça ne me dérangeait pas trop. Sauf que Serenor il a canné, donc c'est sûr que c'est pas la même. C'est pas la même histoire. Non, il faut pas qu'il se déplace lui. Voilà. Et du coup c'est pas franchement cool. Peut-être que Serenor canne. Ok, alors par contre il va vraiment clamser le bonhomme là. Il y a tout ça qui doit jouer d'abord. Je pensais pas qu'il prendrait aussi cher. Ah mais c'est cela peut-être qui passe.
Ok. Autant la deuxième route, elle était... Celle de Bénédicte, elle était un peu amère. Je trouve. Parce que même l'image de fin, l'image finale, on sent que Frederica et Serenor, les deux sont pas à l'aise avec ce qui, sont en train de se, ce qui est en train de se passer. Les deux sont moyen chauds. Ok, là on a tout ça qui passe, donc on va pouvoir soigner Roland. Tout va bien. Alors, tu es où toi? Tu es juste ici, on va pouvoir commencer à attaquer un peu. Coup de mou, un petit coup de mou. Ouais, tu... Le problème c'est qu'on se fait tabasser quoi. On se fait tabasser la gueule. Alors au contraire, je me mets là pour faire un petit jet de poison et... Un à couvert. Ok, il est empoisonné, c'est pas mal. Et à couvert, comme ça, tu prends pas les dégâts, Anna. Après, Anna, elle esquive pas mal. Hein. On va peut-être dû garder Anna à proximité. Okay, on a Huguette que je vais mettre au plus haut point possible. Toile filante, ça tabasse bien. En même temps, en même temps, pas vraiment. Je fais pas juste un approchez pas. Ouais. Je suis pas sûr. Pas certain de l'idée. Alors Roland attaque d'abord, donc je vais devoir soigner. Surtout de guérison, je vais devoir le soigner le petit. Il ne va pas pouvoir attaquer. Hop. Et en plus, il sert à rien le gars. On va se mettre là. Ah non, il peut, tu peux pas sauter de lune. Ah, par contre, tu peux te mettre là avec le saut de lune. Ok. Et tu peux pas taper. Ok. Bah, fin de tour. Est-ce que je me mets comme ça? Non, on risque de te faire bien taper comme ça. Je suis pas sûr qu'elle puisse, qu'il puisse me taper de dos là. Les archers. Moi, ouais, je sais pas trop. Tu ne montes pas. Dragon vif est un peu naze. Continue de se faire tabasser, cela dit. C'est chaud, hein. J'aime pas trop comment j'aborde le combat. On doit pouvoir monter par là après, donc on va faire le dragon vif plutôt. Voilà, ça me paraît mieux. On va se mettre... comme ça face au monde. Et qui c'est qui a besoin de soin à part Roland? Pas Roland hein. Juste on va lui donner une... Après je peux peut-être faire un double, ça va donner deux dragées qui récupèrent des PT en plus. C'est vraiment de la merde hein, les dragées comme ça hein. Disons que c'est pas fou quoi. Là, tu fais ça et la quinte tu fais rien. J'ai pas envie d'utiliser de trucs. Parce que les 4 vents me permettent de voler et d'aller bien loin, donc on va juste garder ça. Flèche glacée, ouais Roland du coup. Ah raté, ça c'est bien. Bien joué. Une fois que tu esquives et que tu fais quelque chose. Magie curative, ça me plaît pas du tout. Parce que tous nos efforts sont en vain. Okay, lui il fait rien. La botte du faucon, ça me plaît beaucoup. Hop. Alors toi. Mat PV x7. Ouais mais. Il n'y a que lui qui prend des dégâts donc c'est un peu con. Altitude 5, ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît, c'est ça qu'on veut. Tu restes en bas, tu fais 5, ils prennent tous des dégâts. C'est énorme. Une simple égratignure n'est rien comparé à l'importance de mon devoir envers le duché. Hop, ça a changé de musique. On l'a agressé. Ça tabasse. Hop, tot. Alors Gila, qui c'est qui a pris des dégâts? Il y a que les deux là.
Ouais, donc on va plutôt se mettre là. On va garder pour le miracle. Histoire de pouvoir donner un miracle. Toi, tu sers pas à grand chose. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Les alliés servent jamais à quelque chose dans Triangle Strategy. Ok, Erador, je vais te mettre là. Et je vais mettre fin de tour. Non, on va juste taper. On peut le taper. On le tue, parfait. Non, il a un PV. C'est-à-dire au début de son tour, il va prendre du poison, il va crever. Voilà, hop, parfait. Une unité de plus en moins. Toi, tu vas venir taper qui, toi? Forteresse, tu tapes personne. C'est là où on n'a plus notre magicienne. Franchement, les armures comme ça... Waouh. Ça fait mal, hein. Le fait qu'on n'ait pas l'armure, là. Ok, toi, c'est bien. Est-ce qu'il faut... Je monte, ferai pas. Non, je vais pas monter, parce que sinon, je peux plus te taper. On va plutôt faire l'âme de l'ombre. Une fois. Aïe. Bah j'ai de poison alors. Ça il me contre pas physique. Ah si, il me contre physique. Il me contre physique quand même la gueule. Je vais mettre comme ça du coup plutôt. Pour éviter de prendre trop l'aggro. Est-ce que je me mettrais pas là non plus? C'est très bien ça. C'est que toi qui meurs, voilà. On se met comme ça, ça me paraît très bien. Alors toi, je vais mettre là. Faire un petit brouillard vert. Faire un petit brouillard vert, ça me plaît bien. Voilà, toi tu meurs. Anna elle reprend des PV, c'est très bien. Toi t'es notre soigneuse, je vais te laisser là. Ouais, je vais te laisser là. Hop. Roland, on va te monter. Pareil pour Maxwell, les 4 vents. Ça passe bien là, hein. Mais il se fait un peu trop agresser. C'est dommage qu'ici il puisse pas. Parce que ça tape bien. On va garder les 4 vents, on va juste le. On va juste rien faire. On va juste faire un tour. J'aurais pu me donner un objet, mais. Aïe. Je vais pas pouvoir attaquer plus loin, donc on va plutôt soigner comme ça. Magie curative. Zone curative. Non, on va faire un miracle sur Maxwell. Ça, quand il agressera, il pourra... Si jamais il meurt, il meurt pas. On va faire ça comme ça. Serenor, tu montes. Là, pour le coup, Frédérica, elle aurait été vachement cool des tabassés, là. La grosse magie puissante de feu, là. À 5 pt. Boum. Tous en groupe, là. Alors toi, on va juste faire fin de tour. Ça, tu récupères 3 pt. Ok, ça c'est pas mal. Vous éloignez-vous. Aïe, un dégât critique, ça me plaît pas bien. Ok, Erador. Ah. Pas cool. Pas cool parce que je peux pas me déplacer avec Erador, donc on va juste... On regagne un PT au prochain tour, donc on va faire un prêt à partir. Que je puisse me déplacer un peu plus. Hop, et je vais attendre. Anna. Je vais se mettre là, et je vais faire un à couvert. Hop, et je vais utiliser juste une petite dragée. Histoire de te soigner, hop. Huguette. Si je me mets là. Ouais, alors si je me mets là, je me fais défoncer la gueule, hein, on est d'accord. Ouais, alors si je fais ça, à la limite, je me prends une très grande dragée et puis voilà. Ça c'est Medina. Donc Medina, je vais juste t'envoyer là. Ah non, je peux t'envoyer ici. Est-ce que tu pourras monter? Non, je pense pas. Hein. Tu pourras pas monter, donc je vais te mettre ici. On va faire ça, on va faire un saut de lune. À moins que je fasse le saut de lune d'abord. Je peux faire un saut de lune d'abord.
contre, elle se fait tabasser, la pauvre. On va quand même faire un saut de lune. Et poussière d'étoile. Ah, je l'ai pas, l'autre. On va essayer de le charmer. Ce serait pas mal. Ok, nice, je l'ai charmé. Et je me barre. Ça, je prends pas trop de dégâts. Et le temps qu'il est charmé, ça c'est plutôt bien. Il va taper ses petits copains. Roland, t'es au maximum de ta forme. On va faire un tour. Ah, Maxwell, c'est pas mal. On va faire les 4. Si je te mets là, j'aurais bien aimé te mettre là plus. Celui, il est charmé. Je peux me déplacer, cela dit. Je me mets là. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueu. Enfin, vraiment, on touche beaucoup de dégâts. Bon, t'es un peu en plein milieu. Ça pique un peu. Concentration, il se déplace évidemment. Serenor. T'avances celle-là. Ok. Mat altitude. Ils prennent cher, hein. Bon, on va refaire l'altitude, hein. Ça me plaît beaucoup, mat altitude. Prends tous des oméga dégâts de zone. Toi, tu sers à rien. On va faire une magie curative. De toute façon, il peut pas crever, hein. S'il crève, il revient à la vie, le Maxwell. Bon, on va quand même éviter de perdre notre miracle. Ce serait bête. Ok, lui, il va agresser le petit, ça me plaît pas. Attaque de glace, il se fait buter. Ouais. Plus un geste. Aïe. Mobilité. On peut plus bouger. Vas-y, c'est pas plus grave. Prêt à partir, ça me plaît pas trop. Flèche guidée. Il se barre loin. Lui, il est charmé, il va taper si. Quoi? Mais il est plus charmé? Merde, il était charmé. Le charme n'a pas duré. Ah, mais merde, j'ai dû le charger. Il avait déjà attaqué. Bah, c'est con, du coup. C'est très con. C'est ça, je l'ai charmé le tour où il avait déjà attaqué. Ils me font chier là, à prendre la place. On va faire ça, hein, on a tous pris des dégâts. Comme les dragées ne servent à rien, on va se soigner. Hein. Hop, voilà. Ça me plaît bien. Ok, bah du coup, je vais faire ça. Et je vais double te taper. Hop. Toi, tu peux faire une superbe étoile filante, non? 73. Ça coûte 4. Je peux faire hyper concentration d'abord. Hop. Et là, je peux faire étoile filante. Et là, je le touche à 100%. Ça me plaît mieux, hein. Parce que ce serait con de louper notre ult, quand même. Enfin, notre ult, ouais, notre capacité de qualité. Et on va se mettre en hauteur. Hop. Ah, je suis en difficulté. Allez, soldats, pensez au visage de ceux qui nous attendent derrière nous. Si je fais ça... Brouillard vert, et puis ça dégage. Ça paraît bien, hein. Hop, toi tu dégages, c'est très très cool. Ça va être à Roland, je vais te mettre là. Ah, quoi que, est-ce que je me mets là et je fais pas un dragon ou vif? Non, ça ne les tue pas, dommage. On va faire ça comme ça, hein. Petit coup perçant, bon, un petit coup double. 80%, c'est pas énorme, mais... Ah, il a raté, ouais. C'était prévisible, malheureusement. Si Roland, vous devez quand même bien savoir que si vous leur laissez le monopole du sel, ils en auront la main mise sur le continent tout entier. Ce ne sera pas un monopole. En le contrôlant et le distribuant de manière égale, nous pourrons sauver même les plus défavorisés qui n'y avaient pas accès auparavant. Pensez-vous vraiment que les gens qui ne considèrent même pas les Roséliens comme des êtres humains agiraient pour le bien de la population? Et Wolfort et moi-même nous en chargerons. Si tu refuses de le comprendre, tu ne nous laisses pas le choix. Non mais il a raison, hein. C'est toi qui es con, Roland. Hein. Là pour le coup... Aïe. Tu vas mettre ton coup de matraque. Voilà, tout à fait.
tierce. Dommage. T'es presque sur le point de crever. Alors Serenor. Ok. J'ai pas son ult à Serenor, je l'ai toujours pas amélioré. Vous savez, tu n'as encore rien fait. Putain. Ah, plutôt magie curative le Roland. Hop. Il a encore rien fait avec sa main. Ça sert à rien. Attends, on va faire un tour parce qu'il nous faut les péter. Malheureusement, il y a toi qui au prochain tour tu vas nous agresser, ouais. Faut que je fasse gaffe, toi tu recontinues pour attaquer Anna, aïe. Roland, ouais, il prend cher. Ok, Medina. On va une très grande sur Roland une fois de plus. Alors. Ben, on va faire une double tape. On va le taper le petit main. Ok, il reste quoi là? Il re-attaque. Ah bah alors ça par contre c'était pas prévu. C'était pas prévu. On va en finir avec lui. Hein. De taper lui. Hein. Paf. Voilà, lui il est mort. C'est la fin. Je ne serai pas là pour le dîner, les enfants. Pardonnez à votre papa. Sad. Faut pas nous dire ça, par contre. Hein. Ah, mais c'est fini. Ah, mais d'accord. Je pensais qu'il fallait tous les tuer, mais non. Dès que je tue lui, c'est fini. Très bien. Ok, bah je pensais pas. Parce que du coup, on perd un peu d'XP sur... Bah, on s'en fout. On s'en fout complet de l'XP ici. Parce que j'utiliserai l'autre sauvegarde. Grâce à la chute de deux sentinelles, nous pouvons maintenant pénétrer dans le duché. Nous venons de recevoir un rapport sur la situation à Glenbrook. L'armée du Sir Kamzel a vaincu l'unité des Spadassins à Esfrostoise. La révolte des aristocrates devrait être complètement réprimée sous peu. Impressionnant. Ne lui laissons pas récupérer tous les honneurs. Nous arriverons à la capitale d'Icefrost en traversant cette vallée. L'intendant Gustadolf s'y trouve probablement, terré dans sa citadelle. Nous sommes entourés de montagnes, c'est le seul moyen de nous y rendre. Ce qui veut dire que Gustadolf est coincé. Il n'est pas du genre à abandonner si facilement. Restez vigilants. Aixan n'a servi à rien de la bataille. Je le rappelle. Il a raison, un ennemi acculé attaque pour tuer. Ne baissez pas votre garde. Et n'oubliez pas que Svarog n'était pas là. Il trame peut-être quelque chose. Serenor, le plus important est de ne pas laisser aux ennemis le temps de se préparer. Oui, ce sera notre dernière bataille. Allons-y. Là, il y a un gros canon et boum. Fin du game. Merci Roland. Dissipez-vous, ombre lugubre. Fin, évidemment. Sauvegarder. Oui, nous sauvegardons. La prise de la porte des deux sentinelles fit souffler un vent de panique parmi la population d'Icefrost. Mais la plupart des habitants, opposés à la reddition, étaient galvanisés et décidés à résister jusqu'à la mort. Dans la capitale, Gustadolf haranguait la foule, demandant au peuple de se soulever pour se préparer à l'assaut final. Chapitre 19. Rêve d'hiver. C'est pas le chapitre final du coup. Ok. Ça va être plus long que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus court que les autres, mais en fait, il n'y a pas de raison. Mais au final, c'est simplement les événements qui vont se dérouler de manière un peu plus différente qu'attendu. Mes chers concitoyens, les envahisseurs isantés ont détruit la porte des deux sentinelles et avancent vers nous, droit sur notre capitale. Mais nous ne céderons pas, notre combat est juste car il est au nom de notre liberté. Depuis si longtemps, les terres sacrées nous ont fait souffrir à cause de leur monopole du sel. Nous ne pouvons pas les laisser faire plus encore. Il a raison, ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent.
La résolution du peuple d'Icefrost est aussi solide que le fer de ses armes, et personne ne pourra les briser. Donnez-moi tous votre force et votre esprit combatif pour que je puisse défendre la liberté contre cette déesse qui tente en ce moment même de subjuguer Norzelia tout entier. Pour la liberté! On va les mettre dehors, les envahisseurs. Gloire à Icefrost. Gloire à Icefrost! Ouais! Ah, il sait mener des troupes, hein. Nous allons maintenant contrer l'avancée ennemie de toutes nos forces. Prenez vos armes et vos armures, et mettez-vous en position. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah, c'est un magicien, d'accord. Le moral de nos troupes est excellent. Si nous parvenons à utiliser le glas du jugement, nous avons toutes les chances de gagner. Bon sens, Varog, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, il est peut-être contré du côté du sud. Par l'autre gars de Isante, je ne sais pas. Combat, évidemment. Faubourg, Icefrost-toi. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, il n'y a rien. Je me disais que peut-être qu'il y avait des dégâts là, mais... Mais non. Ok, ok. Le peuple d'Icefrost prend les armes pour, pour défendre sa liberté. La bataille contre Gustadolf commence. Alors, j'aimerais juste voir au niveau des rapports militaires, intrigue des personnages. Non, pas ça. Récapitulatif. Oui, du coup, c'est, évidemment, c'est pas considéré comme fait l'autre, hein, puisque c'est pas la même sauvegarde. Enfin, j'ai pas refait le jeu, quoi. Ce qu'on fera du coup dans le prochain, c'est qu'on recommencera là, on s'en fout, les 7 premiers chapitres, on n'aura rien à découvrir, mais il va falloir qu'on fasse, je crois, au niveau chapitre 7, on décidera... Alors, on décidera de livrer Roland. On va refaire ça, on va livrer Roland. Là, on va pouvoir faire le troisième choix, du coup, je suppose. C'est plutôt une bonne chose. Ici, marche des contrebandiers. Va falloir qu'on fasse... Non, faut pas qu'on prévienne les méfaits, faut qu'on détourne l'honneur. Et... Ok. Il va falloir qu'on fasse ça, ensuite là je sais pas exactement, tu pars, il faut te dire adieu. Ah oui, là on va pouvoir faire le troisième choix je pense. C'est ici... Ah oui, oui, effectivement, là il y a une sortie secrète. Ouais, c'est ça. Exactement. Là, je ne pourrais pas faire le choix suivant. Mais si, c'est effectivement, ça nous indique ce qu'il faut. Ça nous indique les sorties secrètes, effectivement. Parce que là, je dois prendre quand je devrais tout quitter. Mais je ne devrais pas prendre cette route-là, je devrais prendre, voyez, la route intermédiaire. Je ne pourrais pas aller au milieu prendre le choix de Roland. Et ensuite, ici, on pourra descendre. Ok, donc ça nous indique qu'il y a effectivement une route supplémentaire. Bon, 19, le prochain sera le chapitre final. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour la suite de ce tronçon supplémentaire d'histoire qui ne me plaît guère, je vous l'avoue. Parce que, bah, évidemment, Federica, on l'apprécie, on l'aime, on l'adore. Mais bon... C'est bien aussi de voir les façons différentes de l'histoire qui peut se dérouler d'une manière non prévue et non voulue. C'est intéressant de voir aussi comment ces personnages pourraient évoluer selon des choix différents. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.